Je suis professeur honoraire de psychiatrie. Je me suis occupé toute ma vie de santé mentale. Et à travers les addictions, j'ai compris que la santé est plurielle. Il y a une santé physique, une santé mentale, une santé sociale, mais aussi une santé spirituelle qui est maintenant reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est pour ça que ce livre est important. La médecine de l'avenir est une médecine de la personne. C'est ce qui fera la différence d'ailleurs par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que ce sont les ordinateurs qui soignent les malades, on manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est dans la relation. Et le médecin entre dans la présence du patient et le patient dans la présence du médecin. C'est ça la médecine de la personne, c'est une médecine globale qui intègre toutes les dimensions d'une relation humaine. Voilà l'avenir de la médecine.